On est à Lyon pour une nouvelle vidéo où j'ai réalisé des défis. Ici la voix, Lord, pour chaque défi échoué, tu devras te casser un œuf sur la tête. Va sur le premier passage piéton que tu vois et fais ton intro de vidéo. C'est okay. Tout pour le moment. Ok, donc là genre faut vite que j'aille sur un passage piéton parce que sinon, eh ben, je vais devoir m'écraser un œuf sur la tête. Là il y a un passage piéton juste là. J'aime pas faire ça devant tout le monde, ça va être très très malaisant. Ah ouais, les gens ils traversent au rouge, c'est des thugs. Bonsoir. Je suis à l'aise. J'aurais dû participer à Secret Story 2024, mais vous l'avez vu, je ne fais pas partie de l'émission et je suis là devant vous finalement. Hein, y a la police juste en face, c'est cool. C'est rouge, je vais. Par je recommence. Je pensais que ça allait être plus simple à faire. Bon, on va attendre un petit peu. Du coup, je vais prendre ma revanche, je vais jouer à ce Secret Story avec vous dans la rue. Si je réalise pas mon défi, je m'écrase un œuf sur la tête. Du coup, je vais pouvoir commencer. Ici la voix, Lord, révèle ton secret le plus intime à une inconnue. Tu as 10 minutes. C'est je vais inventer un truc, parce que j'ai pas de vrai secret. J'ai une petite question. En fait, j'ai rencontré une fille, mais on a fait des choses un peu. On n'était pas protégés. Et je me suis aperçu que c'était ma cousine. Vous saviez pas que c'était votre cousine ? Non, je savais pas que c'était ma cousine. Elle le sait pas encore. Vous avez peur qu'elle soit enceinte? Ouais. Est-ce que vous pensez que je lui dis quand même? Elle finira par le savoir, comme vous. C'est vrai que ça fait quelques nuits où je dors plus trop, je pense à ça non, et... Faut pas. Et vous êtes tombé amoureux d'elle? Bah j'ai un... Ouais, quand même, vous quoi. Vous avez un coup de cœur. Ouais. Vous voulez une bouteille? Elle est fermée, hein. Oh, c'est gentil, non, c'est gentil, je vais. Bon, tenez, c'est gentil, regardez, merci. J'en avais une deuxième. Oh, elle est fermée. C'est trop gentil, merci beaucoup. Cousine ou cousine éloignée On a une famille qui est pas. On n'est pas très. C'est un peu le bazar, mais je crois que c'est vraiment la. C'est la nièce de votre maman, de votre papa? Ouais. Elle est rencontrée au hasard. Ben oui, comme ça, en boîte. C'est un truc de malade. J'ai montré la photo à ma mère et voilà quoi. Et elle, tout de suite, elle a su. Ah, vous êtes ouais. Là, mais c'est ta cousine. Ouais. Non, puis c'est vrai que c'est un bon coup, alors. Et vous l'avez revue ou pas après? Bah, c'était prévu que je la revoie tout à l'heure, du coup, mais bon. Après, entre guillemets, c'est pas de votre faute. Parce qu'après, je me disais, si je lui dis pas, elle le sait pas, donc. Elle va se dire, ouais, mais non. Non. Il vaut mieux être honnête dans la vie. C'est vrai, vous avez raison. Je vous assure, parce que l'honnêteté, elle paye. Des fois, on dit, ah, mais non, ça paye pas l'honnêteté. Mais c'est pas vrai. Je vais l'être aussi, c'était une caméra cachée. Aïe! Et vous avez été, mais formidable. J'ai dit un secret qui était genre ni faux ni vrai. J'ai déjà embrassé ma cousine sans savoir que ma cousine, mais je me raconterai ça plus tard. Ici la voix, Lord, fais la danse du Kwakubé avec 10 personnes en même temps. Tu as 10 minutes. Oh bah merci, c'est tout bien, super. Pour le moment. Allez, allez. Est-ce que vous aimez danser? Ah, d'accord, bon, j'ai pas compris. Bon, allez, on va. J'ai 10 personnes qui fassent la danse du Kwakubé avec moi. Non. Ah merde. Oh bah attends, je veux faire la danse du Kwakubé, hein. Vous voulez bien faire la danse du Kwakubé, vous, ou pas? Il faut qu'on retrouve 10 personnes ensemble alors. Okay. Il y a un défi qui a été proposé, c'est de faire la danse du Kwakubé avec 10 personnes. Sinon, la personne doit s'exposer un œuf sur la tête. Tu prends l'œuf, tu sais quoi, tu le bien sur son crâne. Ah bah non. En fait, je cherche des gens pour danser avec moi. Danser? Ouais. Et on gagne quoi? Non mais elle est super chouette. Ah ça me regarde pas après, mais ouais, je crois que tu fais Kwakubé. Kwakubé, ça avec. Je dois avoir 10 personnes. Si là, vous êtes... On est à combien? Demain? Demain, on est là. Demain on revient, on a pas trop de temps là. Vous êtes chaud ou pas? Vas-y. Il manquerait 3 personnes et là on est bon et c'est génial. Les 2 personnes là-bas, ils t'attendent. Tu t'appelles Adam ou pas? Non. Bah ça tombe super bien. Je cherche des gens en fait. Toi on est plusieurs, faut qu'on fasse la danse du Kwakubé. Non ça va aller. J'ai pas compris mais c'est parce que vous avez dit ouais il s'appelle Adam mais ça tombe super bien. Ça va aller, moi j'ai des affaires, je suis occupé là. Eh ben bon avion alors. Ouais merci. Attention sur la route hein. On est un peu pressé. Ah vous voulez pas faire une petite danse du Kwakubé, ça dure 2 minutes. Tu veux m'écraser l'œuf? Alors qu'à la base elle était ok pour faire un Kwakubé avec moi. Vous pouvez aller, je compte jusqu'à 3, vous faites tous un Kwakubé. C'est à Pagnon, on est d'accord hein. À Pagnon. Il y a tout le collège. Moi je suis au collège. Ah oui, ils sont en train de se pécho là, c'est super. Anne Pagnon. Kwakubé. C'est cool, ouais. Ah, c'est incroyable. Un panneau. Kwakubé. Putain, il est à fond, lui. Oh, mec, t'es génial. Je te fais un check de, du coup. Tranquille. Bon, t'as fait un dab. Waouh, voilà. J'adore les gars. On est là. Je vais juste prendre une petite photo et tout parce que comme je suis fan de vos et tout. Ah, mec, c'est trop gentil. Je vois un petit peu et tout, un petit peu vos vidéos. C'est trop sympa. Abonnez-vous à tout sur vos comptes et tout sur YouTube, Instagram, ça fait plaisir. Abonnez-vous les gars. Un panneau. Kwakubé. 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 Je suis à l'aise. Lord, révèle les secrets les plus croustillants de 2 inconnus. Tu as 20 minutes, c'est tout pour le moment. Si tu veux, tu peux faire genre un clap. Pas mal.
En vrai, le premier était bien. Mais, est-ce que t'as un secret? Oui. Oui, c'est un secret un peu embarrassant. Ouais. Bah, j'ai pas trop dit à tout le monde. Bah... C'est gênant. Ah, ok, d'accord. Peut-être que les gens vont le savoir. Vas-y. Promis, tu m'as rien dit. Je t'ai rien dit. Tu connais pas. On se connaît pas. Tu regrettes. On se connaît pas. Ok, ouais, ouais, ouais. Tu vas me donner une phrase qui n'a rien à voir avec ton secret, là maintenant. Genre là, l'arbre, il est vert à Lyon. Ok, t'as vu un arbre ici, mais par contre, t'as dit l'arbre et t'as regardé là-bas. Et vu que je t'ai pris un peu au dépourvu, je pense que ton secret a vraiment un lien avec, avec l'arbre. Ne me dis rien, mais tu souris, ça veut dire que oui, là, tu vois. Ouais. Je pense que t'es même dans une forêt. Il y a le lien avec la forêt. On va à Action. Va à Action. Vu que tu m'as dit ça, je pense que ton secret a un lien avec le fait de faire du sport. Oui. Et une notion d'action, de bouger, tu vois, de... Ouais. Hmm. Ça te concerne... Ah, t'allais dire non. Ok, ça te concerne pas. Donc ça concerne quelqu'un de ta famille, du coup, un proche à toi. Ouais. Là, je tiens quelque chose, là, j'y suis presque... C'est fou. Tu peux me donner un indice, au pire, juste un indice? Oui. C'est pas moi qui est dans la forêt. T'avais cette, ce besoin d'aller vers les gens, tu vois, il y avait une notion de se déplacer. Et peut-être que t'as eu quelque chose qui t'a interpellé. Genre, peut-être que t'as vu un feu de camp ou quelque chose comme ça, et tu t'es dit, il y a un danger, il y a quelque chose de... What the fuck? Genre, il y a un danger, il faut que j'y aille pour les aider, tu vois, quelque chose comme ça. What the fuck? Oui, c'est un peu ça. Donc t'as vu une source lumineuse, t'as vu une lumière. Oui. Wow, ok, trop bien. Donc du coup, j'ai deviné ton secret, le défi est réussi. C'est un peu plus. C'est mais... un peu plus? Ouais, en fait, ça c'est vraiment le début de l'histoire. Ah, c'est le début? Ah, mais d'accord, en fait, toi c'est une histoire. Le son. Ah, tu voulais juste un petit secret? Ouais, je suis dans la sauce là. C'est compliqué, mais en vrai, c'est déjà grave bien que Dominique c'était dans une forêt. Ouais. Pense à ce sport. Ouais. Et visualise-toi en train de faire le sport là-bas. Ok, c'est bon. Je pense que c'est ton père qui fait ce sport. Et là, ça veut dire oui, tu souris, toi, ça me. Ok, ton secret est que ton père fait du BMX. Genre il est champion de BMX, c'est son métier, je sais pas, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. A été champion de BMX. Il a été champion de BMX. Ouais. Waouh. Non mais là tu fais de la concurrence à la championne de danse latine. Hein. Ah oui, bah voilà, Cassandra. Ouais, peut-être. J'ai regardé, j'ai tout regardé. C'est vrai? Ouais. Tu sais qu'à une semaine près, j'aurais pu être dans Secret Story. C'est vrai? Bah t'iras voir sur YouTube du coup. Ça veut dire que la voix, elle nous écoute, elle nous regarde. Exactement. T'as dû aller les aider, et vu que tu les as aidés, il s'est passé quelque chose après. Donc dans la logique des choses, si t'as été logique, bah t'as dû appeler la police. T'as appelé la police? Oui. Wow. J'ai appelé la police, bravo. What the fuck, je suis choquée, attends, je suis choquée. T'as vraiment appelé la police? Oui, j'ai appelé la police. Mais wow. C'est une dinguerie. J'ai vu une lumière, je pensais que c'était quelqu'un qui voulait de l'aide. J'ai appelé la police, ouais. Ils se sont déplacés. Et en fait, après avoir appelé la police, je me suis rendu compte que c'était juste une lumière d'une boîte de nuit qui était dans la forêt. Pour rien du coup. Pour rien du coup, parce que je pensais que c'était quelqu'un qui demandait de l'aide, mais c'est juste une boîte de nuit quoi. En tout cas, on voit que t'es sur TikTok toi. Hein. Ouais. T'as l'habitude. Je suis un peu choquée aussi. C'est quoi, t'as le droit, c'est moi qui fais le montage, t'as le droit de me. Vas-y, fais un truc pour apparaître ton Insta ou quoi, ton TikTok. Ton... Genre ici? Ouais, ou tu veux. Je sais pas, tu fais genre, tu fais apparaître ton Insta quelque part ou tu veux. Scaleda. Waouh. C'est un truc qui se déplace, hein. Si tu veux, je fais juste Scaleda. Scaleda. T'es très fort. Ah, je sais. Ici la voix, tu vas récupérer le snap de la meuf qui te plaît le plus. Ton défi sera validé après votre date. C'est tout. Ah, pour le moment. Faut que je fasse un date. Je vais me recevoir je sais combien d'œufs sur la tronche là, c'est... Comment... Je vais lui faire un tour de cartes pour la draguer. Parce que je suis vraiment pas bon en ça et avec un jeu de cartes ça va aider quoi. Allez, t'es un champion. Salut. J'ai pas le temps. Ok, d'accord. J'avais déjà pas de couilles, j'en ai encore moins maintenant. Je vais faire genre, je suis hôtel. Excusez-moi, est-ce que vous avez un snap? Un quoi? Un snap. Snapchat. Vous savez, on discute... Non. Je vois pas ce que vous voulez dire. Ouh. Salut. Salut. Bah toi qui fais des tours de magie? Ouais, je fais des trucs... Ah, c'est sérieux, tu fais le truc mentaliste, là? Ouais, voilà, des bon, trucs comme ça. Tranquille. Bah grave, et vous? Bah impeccable, là, toujours, ouais, ouais, toujours. Ouais, vous travaillez, là, du coup? Bon, enfin, non, t'as capté. Calou, la caméra, là. Non, y'a pas de cam, là, c'est juste non, comme moi, ça. Non, tu filmer, non, tu vas te filmer? Non, ah, c'est pour les satellites. Non, vas-y. T'es célibataire ou pas? Ouais. Si je trouve la carte, tu me passes ton snap. Ouais, ok. En fait, je voulais juste son snap, fallait le dire d'abord. Ouais, honnêtement, ouais. Ok. Oh, t'as la compte, ça te va? Bon, c'est bon. Ok, t'as impeccable. Jouer, hein. Par contre, après, on fait un date, hein. Ça? Ah ouais, ah bah ouais, parce que sinon, ça... Bah ouais, grave. Meuf, t'es chaud ce soir, je ramène quelqu'un, on fait un date à 4, ouais. C'est bon? Ouais, ouais, c'est bon. Ah bah, allez, vas-y, on fait ça. Okay, allez, un date avec. Très, très bien, sympa. Je vais aller chercher ma coiffeuse, du coup, après qu'on a cherché la coiffeuse, on retourne. Oh, ravin. Mais non, parce que la meuf, elle peut pas. Bon, bref, on s'en fout. Ok, d'accord. Tiens, tu vas penser à la couleur de la carte. T'as envie de penser au cœur, tu vois, parce que je viens de... C'est du carreau.
Ouais. Wesh. Toi, t'es quelqu'un de, j'allais dire carré, mais t'es plus bordélique, toi. Le 8 de carreau. Allez, toi. Comment t'as fait? C'est impossible. C'est obligé qu'on ait fait pour faire un date parce que j'avais un 8 de carreau, là. Mais wesh. Vas-y. C'est vrai, t'es ok pour le snap. Ok, trop trop bien. Tu sors souvent ou pas? Ouais. Bah du coup, c'était une caméra cachée. Elle est juste là. On a fait un date à 4, putain. Ah merde. Oh, c'était une caméra cachée, on a pas de date à 4, mais... Ici la voix, fais-toi des amis et planifie une soirée avec eux. Tu devras me prouver que tu y seras présent pour valider ce défi. C'est pas de pote, parce qu'en fait, je me foutais la meuf de celui qui avait le groupe, tu vois. C'est ce que je vais leur dire, quoi. Je vais tenter avec les trois gars là-bas. Tiens, rejoins-moi derrière la camionnette. Essaye de trouver une méthode pour pas qu'ils te voient. Que genre là, on te voit beaucoup. Excusez-moi les gars, vous êtes de Lyon ou pas? Ouais. Vous savez où il y a un endroit, genre, je sais pas, pour faire des soirées, un truc. Il y a les boîtes quoi. Les boîtes? Les bars, tu vas là-bas et bah, tu fais ta soirée tranquille. Hein. J'avais un groupe de potes. En fait, je me suis tapé la meuf du mec qui t'avait lu. Et puis du coup, je m'entends plus avec eux, tu vois. Donc, ça pourrait être cool d'avoir des nouveaux potes. C'est un fail. Tu peux me donner une technique pour me faire des amis ou pas? J'avoue, je saurais pas du tout. Pourquoi t'as pas beaucoup d'amis? Il faut que je trouve la nouvelle meuf d'un pote à serrer. Là, je passe à la technique d'attendre en espérant que ce soit convaincant cette fois. Mais là, je crois que j'ai trouvé la cible parfaite. Je suis sûr en plus, il a une meuf super. Excusez-moi, vous êtes de Lyon ou pas? Oui. En fait, je cherche un endroit où sortir à Lyon. Parce que. Ah non, on n'est pas sorti du tout. Parce qu'en fait, j'ai plus d'amis depuis un moment parce que. En fait, il y a une galère, et l'ami il avait une meuf. J'ai. Bon, voilà quoi, tu vois. J'ai. Okay. J'ai bourlingué un peu, mais. Du coup, je cherche des nouveaux potes. Ok. Ah non, on n'est pas du tout sorti par contre, ouais, vraiment. Non. Et je crois que j'ai dit que j'allais bourlinguer, que j'avais bourlingué une meuf d'un pote. C'est peut-être que le terme bourlinguer n'était pas le bon terme. Du coup, je vais essayer d'être plus subtil sur ce coup-là. Et si là, j'y arrive pas, je m'éclate un œuf sur la tête tout à l'heure. Et je sens que je vais pas y arriver. Par contre, c'est chelou, genre sans caméra, je fais comme ça, je fixe les gens pour trouver des potes. C'est très bizarre. Je suis sûr qu'il y a des gens qui le font ça en vrai. Depuis tout à l'heure, avec mon pouce, je caresse le micro comme ça. J'espère que ça vous fait rien de. Moi ça me fait du bien perso mais... Excusez-moi, salut, vous êtes de Lyon ou pas? Moi ouais. Parce qu'en fait genre je cherche des endroits où faire des soirées. Il y a des bars et parfois il y a des boîtes de nuit aussi. Ouais. J'aurais pas dire exactement lesquelles mais juste voilà. Parce qu'en fait je cherche des potes. Parce que j'ai pas de potes parce qu'en fait genre il y avait le mec qui tenait le groupe, je me suis tapé sa meuf. Et j'aimerais bien avoir des potes nouveaux quoi. C'est là qu'on est un peu occupé et tout. J'ai pas de potes. Vous êtes trois, il y a trois œufs. Chacun. Ils font peur un peu. Mais je sais pas si ça fait mal donc. Ah si ça fait mal de. Ça fait mal? Ça casse pas facilement. Ah ouais, tranquille. C'est tranquille, chaud quand même. Bah t'es comme ça peut-être. Non, non, non. Pas. Allez, le premier. Ah c'est un vrai kiff. Il y a même pas eu de 1, 2, 3 quoi. C'est genre dunk quoi, putain. Ça m'en suis rien. Vas-y. J'ose plus me lever. J'y vais. Oh putain dans le dos. Le Kwakubé était sympa. Il paraît que c'est un super bon shampoing naturel. Bah c'est cool. C'est cool aussi. Si vous voulez il en reste 3. Je pense que... Ce soir je suis en spectacle. En tout cas merci la voix de Secret Story de m'avoir fait les défis hein. La voix de Wish je précise quand même. Elle s'incruste dans les cheveux. Mais non, je vais devenir Yoshi les gars. Attention. Ah ouais. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas de t'abonner, de liker pour me soutenir dans ce qui vient de se passer s'il te plaît. Et à me dire dans les commentaires si j'aurais pu faire Secret Story. Bon visiblement... Je vais rester dans les cheveux.